Bienvenue à tous sur le live de Mocha, sur la chaîne Neo Retro Gaming. C'est parti pour une petite découverte d'un jeu peu connu. Alors, tellement que j'en ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Ça commence par un V. Ça finit par un E, je crois. Comme ça, on est bien parti, mais j'ai simplement à faire ça. Je vais voir. Valgrave, voilà. Immortal Plane. Donc, c'est un Battle Royale. Un peu spécial qui propose de faire affronter des mages, et donc en gros vous spawnez sur la carte à la manière de la Battle Royale et vous devez récolter des sorts, des trucs comme ça, vous pouvez les mélanger pour en faire deux. Il y a plusieurs combinaisons hein. D'après les développeurs, ils se vendent qu'il y a 200 000 combinaisons possibles à partir de 5 mois d'août dans lesquels vous pouvez mettre différents sorts qui justement bah, peuvent se cumuler les uns les autres. Et on va découvrir ça parce que moi, à vrai dire, j'ai quasiment rien vu, si ce n'est une petite séance de gameplay de quelques secondes. Et donc le trailer, grosso modo, on va dire que j'ai vu que le trailer, et encore, je ne l'ai pas vu entièrement. Donc il y a 30 joueurs, et je ne crois pas que ça monte à 100. Alors, il me semble que ça tourne sur Unity, en tout cas ça a l'air d'être très peu gourmand, et c'est un peu le pourquoi du comment ce jeu-là. Car c'est dans l'optique de faire une vidéo, une sélection, dans laquelle je vais faire une sélection de jeux qui sont optimisés pour les PC de petite configuration. Les low-end PC, comme c'est dit en anglais. Donc en général, des PC de vieux d'au moins 10 ans, quoi. Les premiers i5, voire avant. On va pas non plus aller sur le Pentium des années 80 ou enfin, 90, mais des trucs qui sont qui peuvent tourner sur à peu près tout. Alors comment ça se passe, je ne sais pas. Il n'y a pas d'entraînement ici, hein. C'est au pif. J'ai un second Battle Royale à tester aussi après. Je voulais faire le Battle Royale des Battle Royale. Donc, en prendre plusieurs et puis on ne passe qu'un parmi tout cela. Après dire qu'on a pris trois. J'avais sans trouver trois qui correspondaient plus ou moins à ce que je vous ai dit là. Des choses qui soient qui puissent tourner sur à peu près tout, mais hélas un d'entre eux a déjà à moitié fermé ses portes parce que le serveur américain est non, je vais pas taper, mais c'est pas, ok. Le serveur américain et puis voilà. On s'en va tous. Et je vais finir ma phrase, vous en faites pas. Je vais peut-être taper un petit peu tout ce que je peux. Bloc 1 là. Tellement bon. C'est une avant, j'espère. En gros, là, les serveurs asiatiques, il fait encore. C'est un jeu d'ailleurs asiatique, Arc, je ne sais pas pourquoi. Royal. Pour la particularité de poser des combats à la manière de Iron Man. C'était dans les airs. Jackpack, ça aurait pu être cool. J'ai pas pu essayer du coup. J'ai essayé ce soir, c'est foutu, donc je me rappelle là-dessus. Et j'en ai un autre encore à essayer de vous faire découvrir. À découvrir les autres. Si vous aussi ça peut vous aider à vous faire une idée, tant mieux. Un coup de but de la vidéo. C'est. Project Darwin. Parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a bien sûr le Battle Royale, évidemment, Warzone, ensuite il y a Apex, encore Fortnite, un peu moins connu, mais aussi il y a Realm Royale, Royal. Ça va être pas trop mal, également. En fait, ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu. Bon, bah, je n'attendais pas à mieux, mais c'est pas mal. Bah, ça tourne surtout. C'est poli, c'est pas pourtant que c'est dégueulasse. T'as un petit PC, bon, là, tu peux te le faire. Et j'ai vu que le retour était largement positif. Donc, par contre, la ragdoll est un peu aux fraises, comme on disait certains. J'ai un double saut maintenant. Je m'amuse. C'est ce qui compte. Hein.
Les œufs, c'était du lait, faut voir. Bon, il y a la phase de découverte. Hein. Bien, bon, c'est ça. Mais bon, déjà, disais, c'est le temps, un petit café sur le PC du bureau avec une carte, une chipset Intel ou quoi. Ouais. Pas le toucher tout à l'heure, je crois, avec mon truc. Tourne autour. Bon, voilà le jeu, vous avez tout vu. Ça y est, plus rien à voir. Vous savez à quoi vous attendre. Bon, c'est quand même assez fun. En tout cas, c'est fluide. C'est ce qui compte. Par contre, j'ai plus de vie, là, je vais faire des gommes. Tout à l'heure, je crois que j'ai repris de la vie, je sais pas comment j'ai. Je vais me protéger. Je suis plutôt refermé, ouais. Non, c'est ce que j'ai fait. J'aurais cru, t'as l'intérieur. Ah, il y a du PVE. Il y a aussi des créatures. Je n'ai pas fait gaffe. Ah, un petit point en plus. On est passé de 12 à 13. Non, mais bon, pour le poids qui pèse, hein, 2 petits gigas de côté. Attends, attends. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas bon, mais c'est comme travail. De la colorimétrie, tout ça, c'est assez joli. Presque un petit tableau. Donc, est-ce que je peux intervertir mes trucs? C'est un rêve désenchanté. C'est pour enlever ce que je veux là. Je suis pas au pif. C'est pas ce que j'ai fait en fait là. C'est là que je dois faire ça. Ah, c'est pour reprendre de la vie. Ou alors je l'ai repris. Peut-être que ça remonte tout seul au bout d'un moment. Je sais pas. J'aime bien. Je m'attendais à pire, mais ça ressemble. En tout cas, c'est pas la publicité n'est pas mensongère parce que c'est exactement ce que j'ai vu comme gameplay. Je m'attendais pas à un truc de fou. Hein. Je sais que c'était les deux. On a piqué de kill, leur part. J'ai fait que le travail. 3 heures que je suis dessus, en plus il va me crever lui. On est dans la ville, hein, c'est pas comme ça du coup. Ça remonte tout seul dehors. Là. Ah, ça c'est la manette parce que du coup, j'avais activé la manette croyant qu'on pouvait jouer à la manette. Mais... On essaie de terminer celui-là là, mais au niveau de la vie on est un petit peu kiff-kiff. C'est celui qui joue le mieux. Ça se passe moi. Mon truc je crois que ça sert à rien. Voilà, troisième kill. Et je vais de plus en plus vite. C'était un buff temporaire quand même. Mais c'est marrant. C'est ce qui compte. C'est quand même joli. Hein. Je me répète. Je pense que je peux dire de plus. Si ce n'est que ça joue assez bien. Petite en adaptation évidemment comme tous les jeux, mais vous avez vu qu'en 5 minutes j'ai pris un petit peu le pli. Hein. Jusqu'ici, c'est plus du bon à revenir. Hein. J'ai rien vu. Hein. Eh bien, enfermé, il faut arrêter de jouer à ça. C'est moi qui me suis renfermé là, donc c'est pas très utile. Merde. Mon truc, je crois qu'il sert à rien, je tire dessus, mais quand je vise dessus, ça va même pas dessus. Des fois, je tire à côté en espérant que ça aille dessus. Mais...
C'est beaucoup de duels, hein. Moi je me balade un petit peu parce que du coup, c'est pas prendre de la vie comme il faut. Ah si, ça l'a touché, enfin j'ai réussi à faire un hit avec ça. C'est au bout de 150 tirs. En fait c'est un boomerang, il vaut mieux que ça hit que quand ça revient. Ah quoique non, je viens de l'avoir. Enfin. Après tout ce temps. J'ai enfin réussi à me servir d'une de mes capacités. J'en ai marre du corps après. Ça j'ai des bons trucs hein. C'était au pif, mais je trouvais des trucs pas mal, j'ai rien de débrouiller avec ça. C'est cool, franchement c'est sympathique parce que du coup il va falloir combien de combinaisons possibles et combien de pouvoirs quoi, hein, évidemment. Ça peut-être parce qu'au début ça tourne 8 en rond, mais si ça rajoute au fur et à mesure, ça peut être que cool. Des animations, faut rigoler quand on est court. Non mais oubliez-moi. J'existe pas. Je sais pas si c'est de la vie ça mais. Je suis pas ici. Ah mais j'ai repris de la vie. Toi je pensais faire ce que je voulais. Merde, c'est pas le bon, je me trompe de pique. Il y en a deux. Hein. C'est trop pour moi. J'ai une capacité sur à peu près. Sur simple, c'est sur le pic gauche, pic droit, A et E. Donc voilà, c'est pas très compliqué non plus. Et sur R aussi, donc oui. I am the winner! Pour un premier essai, c'est plutôt cool, 20 petites pièces, à quoi ça sert? Il me semble que c'est pour acheter des costumes, ça. Y a rien à acheter. Vous pouvez voir à chaque fois. Enfin, ce que j'ai pu voir, en tout cas, vite fait, les développeurs. En plus, le truc est en français pour, dans la description sur Steam, c'est pas toujours le cas. Même le jeu est en français d'ailleurs. Hein. Et c'est écrit, genre dans les objectifs, ne surtout pas en faire un pay to win. Un truc comme ça, en tout cas, mais c'est bien, ça insiste bien là-dessus. Donc à quoi ça peut servir, je ne sais pas, comme disait, c'est sûrement pour acheter des trucs. J'ai débloqué un nouveau modèle. Là j'avais lui, je peux me mettre avec elle. On va se mettre avec elle du coup. On va en faire au moins une deuxième. Et je vois pas où on peut acheter les trucs en fait, hein, mais j'ai 20 pièces, c'est bon à savoir. Peut-être là-dedans. C'est l'esthétique en fait, c'est ça, ou c'est vraiment que ça me sert un truc? XP, XP, mais quoi, c'est quoi ce truc? Bon, on va en prendre un sorti avec la robe, apparemment ça n'a pas d'importance de toute façon. C'est plus logique de se mettre ça, j'imagine, qu'une épée. On verra bien, je sais pas à quoi ça sert en fait. Voilà, statistique. Et ben on y retourne. Ouais, ça m'a. C'est que par duo hein, pour l'instant, mais pour devoir dire, j'ai même pas vu où était mon collègue. Il n'y a pas de solo, on peut pas changer pour l'instant. C'est uniquement disponible en duo. Donc c'est 30 joueurs. Hein. Je pensais que je savais que c'était pas 100. J'avais que comprendre 40. Mais c'est 30 joueurs. Apparemment, c'est le maximum par partie. Bon, c'est pas plus mal parce que vous avez pu voir, ça dure quand même. Assez longtemps quoi, c'est relatif, mais c'est vrai qu'à 100 ça pourrait vite être plus le bordel.
Et mettre encore plus de temps, enfin je ne sais pas, mais bon, 30, je pense que ça suffit pour ce type de Battle Royale. Ouais, c'est de milieu. La carte a quand même l'air assez grande, hein. Elle est où ma baguette là? Enfin bref, en plus du coup j'ai une épée, j'ai rien compris. Là je peux mettre un coup de pied au cul, c'est ça? Le bouton A, l'icône qui est dessus. On voit le pied. Ouais, il y a que des animaux autour là, j'ai l'impression pour l'instant. Attaque de zone, ça du coup je crois que j'ai pas l'attaque de zone, mais c'est grave, à tester. Peux pas changer avec A, parce que j'ai pas vu qu'on pouvait changer par contre. Et A ça fait rien. Je crois qu'une fois qu'on les a, on peut pas les enlever, j'ai l'impression d'avoir une touche pas possible. Je risque de me faire buter, mais faut quand même regarder rapide. Utiliser comme ça, lâcher une compétence A, E, R. Bah, c'est la même touche par. Alors, lâcher, je vais faire. 1, 2, 3. Puis 4 aussi. Ça, je serai. Là je vais lâcher là. Ça marche pas. Même la 2, rien du tout. Réorganiser. Ah ouais. Halt. Il y a le. Maintenir tab. Ah d'accord. Bon. Ça y est, enfin. Ça me conviendra un peu mieux ça. Pas compris comment ça joue. Coup d'épée. C'est quoi ça? Charge frontale. C'est quoi que j'ai en R? C'est ma merde. Et l'autre, j'ai une bombe. J'ai raté le R là. Je prends la coup d'épée. Et E, c'est quoi? Je pense que c'est une charge. Ça peut me sortir des zones. Je peux charger, mais aussi esquiver. C'est ce que je viens de faire. Bon, on va essayer de se débrouiller avec ce que j'ai pris là. Pas de double saut cette fois-ci. Ah si. J'arrive pas toujours à le placer. Enfin, si, c'est parce que c'est. Je m'y prends mal, simplement. Tout à l'heure, j'ai l'impression. Ah, bah, ça. Alors, moi. Je vois qu'il m'a ôté de la vie. Mais s'il remet de la vie à lui, oui.
Après, c'est peut-être au niveau sonore que ça manque un petit peu de dynamisme. Où est-ce qu'il est? Il se téléporte. Je vais tuer un panda. Un peu magique là, avec qui? Ah ça, je me suis fait tuer par You. Je sais pas combien j'ai fini là, mais... On va voir, hein. Normalement, je dois pouvoir rester 50 000, j'espère. On voit pas. J'ai bloqué sur table, en général, ça donne un joli score, mais bon. Pour avoir les compétences d'un peu tout le monde, est-ce que je peux changer là, celle-là? Et lui aussi, il a la même chose. Il a même deux étages. Ah, c'est sympathique, franchement, pour l'instant, voilà, bon. Ça se joue bien. Sans grande prétention, ça fera ce qu'il a à faire. On peut avoir un petit moment de détente sympathique, en mode Battle Royale, version magique. C'est vrai que cette fois-ci j'ai même pas genre comment on pourrait dire transformer les objets. Est-ce qu'on peut les ramasser ou en, je sais pas, peut-être les transformer en énergie ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai réussi à le faire tout à l'heure. Je pensais que ça donnait de la vie mais c'était plus le cas. Mais ça devait sûrement servir à autre chose. Peut-être renforcer le pouvoir. On est sur nous. Tout ça, c'est la première apparemment. Hein. Plus le metagame quoi. Là, c'était vraiment la première impression. Et ce qui est bien, c'est que c'est lisible. C'est ultra lisible. C'est le bon côté du Lopoli. J'en étais 3 et je suis arrivé
Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe, ça va être écrit en gros ce que j'ai regardé, les XP. Récompense quotidienne obtenue, vous avez gagné 100 pièces pour avoir joué 30 minutes. Vous pouvez récupérer jusqu'à 2 fois cette récompense toutes les 24 heures. Enfin, il propose de jouer une partie de plus pour gagner encore plus. Non, récemment, ouais, j'aime mes 203, on va sûrement s'en faire une dernière et puis j'arrêterai là pour la découverte de Valgrave. Après, j'ai oublié. Valgrave Immortal Plains. Les plaines immortelles. Alors, je sais pas trop quoi ça sert ce que j'ai mis ici. Hein. Quand on a pu voir, j'ai même pas spawné avec. Il y a plein de trucs que je connais pas, si c'est tout. Le peu que je connais, c'est le peu que j'ai pu voir et pratiquer là à l'instant, durant les deux parties. Voilà, c'était pour le fait d'avoir un Battle Royale qui puisse tourner sur les petites machines, parce que comme je vous ai dit, il y en a plein là, c'est le Battle Royale, c'est pas ce qui manque. Donc Warzone, Fortnite, Apex, et bien d'autres encore, même Cuisine Royale par exemple en free to play, et puis je ne sais plus trop quoi encore. Rims Royale, là voilà aussi, comme je vous avais dit, mais cela apparemment quand même. Ah, ils sont pas super gourmands, je me comprends, mais pour autant, ils tournent pas forcément sur des PC assez anciens. Comme la sélection que j'ai prévu de faire. Disons que là, pour l'instant, il y a Iron Sight dessus, en termes de FPS, 100% FPS. Avec un petit côté Battle Royale, parce qu'il y a un mode Battle Royale, mais bon, c'est vraiment anecdotique, hein, c'est vraiment plus pour le match à mort par équipe. Le classique, quoi. Sinon, après, bien sûr, il y a Warface. C'est Warface, ouais. Qui est aussi en free-to-play, mais qui demande une bécane un peu plus costaud que là, à Insight. En plus, pour ma part, je préfère le niveau gameplay, le niveau du jeu en lui-même. Et en plus de ça, il est moins gourmand. Il y a aussi, après, Projector, en jeu de voiture. Ils sont là. De toute façon, il n'y en a pas des masses en termes de jeu d'arcade, de jeu de voiture sur PC. Mais donc, voilà, pareil, il tourne sur quasiment tout. À peu près plus ou moins, c'est un peu plus beau que sur qu'un jeu PlayStation 2, mais dans les environs, ce qui fait qu'on peut jouer sur quasiment tout mon PC portable. Mais bon, c'est surtout la particularité d'être un MMO, une sorte de Need for Speed World like pour ceux qui ont connu, qui est pas trop mal. Voilà, ça mérite d'être sur un petit sur un PC quoi. Après, il y a sûrement mieux, hein. Mais en arcade, c'est gratuit, je pense pas. Mais sinon, il y a The Crew par exemple, ou même d'autres jeux, hein, qui proposent plus ou moins la même chose. Mais pareil, il faut une bécane un peu plus puissante que la Projector, c'est pour à peu près tout, c'est pour ça qu'il sera dans cette sélection. Et celui-là, donc, Valgrave, il sera sûrement aussi. Si tout se passe bien, pour lui, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. J'en ai un autre à tester après qui semble être aussi peu gourmand. Donc c'est pas le meilleur, hein, encore une fois, mais ce sera... Enfin, oui et non, ça dépend des goûts et des couleurs. C'est pas forcément le plus connu en tout cas. Et c'est Project Darwin. Je vais l'essayer après, si tout se passe bien. Je verrai bien ce que ça donne. Soit instantané. C'est un super saut, c'est ça? C'est ça? C'est pour le tenu percute en fait. Encore mon truc tout pourri là, j'aime pas trop. Je vais mettre 3 heures, je vais faire buter avant de ramasser ce que je veux. Alors le soin sur eux, c'était pas le mieux. R, c'est quoi? Tempête de sable, c'est pourri ça aussi. Ouais, il faut que je parte à la chasse au stuff là. J'enlève ça.
même quoi. Ah, j'ai cru. Qu'est-ce que ça a fait? Je crois qu'au début on passe plus son temps à regarder ce qu'on fait. Donc là j'ai deux trucs à distance, ça c'est bien. Ensuite, R. Téléportation, ça c'est bien. Ensuite, A. Un petit coup. Pas mal, voilà, ça va. Ça peut me plaire. On va voir s'il y a mieux. Touche empoisonnée. Soin instantané. On va rester comme ça. Un V1 nouveau. Ok, là, des bruits, des bruitages, ouais, c'est peut-être à revoir, ça c'est pas cool, mais ça peut aller, ça. Que je démonte pas les trucs comme tout à l'heure, je vais le faire, on sait jamais. Donc on passe devant comme ça. Ça booste peut-être mes stats, j'en sais rien. Ah, je me suis pas téléporté là où je voulais, j'ai fait de la merde. Je sais pas ce que moi j'ai fait, mais j'ai réussi à me téléporter derrière moi alors que j'ai regardé devant. Bon, j'ai pété aussi parfois, la meilleure partie était la première, bizarrement. La chance du débutant. Il y a quand même des moyens de bien s'amuser. Hein. Peut-être que j'avais pris trop la confiance. La première fois, j'étais plus prudent. Ou je ne sais pas. Il y a la compétence d'activer là. Tiens, eux, ils jouent plus en groupe. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Hein. C'est la deuxième fois qu'on voit qu'ils sont deux qui vont ensemble. Hein. C'est quand même moins de boulot à faire. Hein. Et vu que.
On doit voir pourtant où il spawn sur la carte au début quand on choisit le point où on doit aller. Enfin, on doit voir où spawn notre allié au meilleur moment. Le meilleur truc que je préfère, je pense, c'est de soit avec lui, soit vraiment juste à côté. Et là, à vrai dire, je me suis pas trop pris la tête à chaque fois, je vais aller au pif. J'avais même pas différencié les équipiers des autres. Putain. Je l'ai buté, mais je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il est team kill. C'est un peu dommage, c'est qu'on voit pas le. Sûrement écouter la vidéo en tout cas pour la rediffusion. Je vais épargner la fin. Parce que là, je pense pas que je puisse sortir en plus. Ah si. Bon bah c'est une bonne chose, on peut sortir quand même. Quelle partie, mais est-ce qu'on peut voir le nombre de joueurs tout simplement? Même pas. Apparemment non. En tout cas bah voilà. Pour ce qui est de la relie, ça sera tout. Donc, comme vous pouvez voir, c'est cool, sympathique. Là, je ne fais que de le dire, pas le redire une même fois, mais à vous de voir, à vous de juger. De toute façon, le jeu est vraiment très léger. Il fait du 2 Go, je crois, et encore même pas. Parce que à télécharger, j'en ai. Parce qu'il y a 2 Go, c'est ce qu'il y a écrit sur, en tout cas, sur la page Steam, mais à télécharger, vous en avez même pas pour 1 Go à télécharger. Ça doit se décompresser, tout ça, mais sinon, vraiment tout petit. Ça a l'air, franchement, de. Je pense que ça peut tourner sur tout, j'ai pas encore vérifié sur mon second PC, mais je dirais ça, mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein. J'imagine que ça pourrait même tourner sur mobile sans trop de soucis. Et bien voilà, à vous d'essayer et de vous faire votre propre avis. Et bien sur ce, comme toujours, à la prochaine, prenez soin de vous et bon jeu à tous. Allez, ciao. J'ai fini 8e, c'est ça? Bah ça va, sur 30. Ah oui, par contre, chose étrange. Alors, je crois que c'est par rapport à mon affichage. Parce que là, il me sort, maintenant, il vient de sortir ça. Ah oui, j'avais complètement oublié de fermer la page. J'espère que ça n'a pas tout foutu dans la lecture, apparemment, heureusement. J'espère pas. C'est pas une bonne idée de laisser. Est-ce que Jack, j'ai une connexion pas terrible? En plus de ça, j'ai laissé Internet avec la vidéo là du stream. Heureusement qu'il n'y a pas le son. Sinon, ça aurait foutu le bordel. Donc, oui, des choses étranges. Je pense que c'est par rapport au fait que j'ai réglé en 1080p. Je sais pas, ça va pas le prendre. Il me ressort encore. Parce que normalement, on peut aller dans les options sur la droite, mais j'arrive pas à les atteindre. Du coup, bah, pour sortir, les 3 fois que j'ai lancé. Les 3 fois que j'ai fermé, parce que j'ai pas trouvé le bouton sortir, c'est Alt F4. Petit détail qui a son importance, si jamais. On se trouve, je prolongerai quand même la vidéo YouTube pour ça, mais si jamais vous êtes bloqué comme moi, Alt F4. Enfin, après, le jeu redémarre pépère, sans souci.